Pour cette troisième et dernière masterclass, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir l'un des airs les plus connus de l'époque baroque, l'air des sauvages de Jean-Philippe Rameau. Les musiciens vont vous parler du contexte de sa composition, au départ pour clavecin, et de son succès qui a conduit le compositeur à l'intégrer à son célèbre opéra, Les Indes Galantes. Maintenant, place à la musique. En 1728 paraissaient les nouvelles suites de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau. Parmi les 15 suites en la et en sol, celle intitulée Les Sauvages fait écho à une représentation dansée par deux Indiens de Louisiane à la fin de l'été 1725 sur la scène de la Comédie italienne, sise dans l'hôtel de Bourgogne. Un article paru dans le Mercure de France en décrit le spectacle. Le premier danseur représentait un chef de sa nation, vêtu un peu plus modestement qu'on ne l'est à la Louisiane, mais en sorte que le nu du corps paraissait assez. Il avait sur la tête une espèce de couronne, pas riche, mais fort ample, ornée de plumes de différentes couleurs. L'autre n'avait rien qui le distinguât d'un simple guerrier. Le premier fit entendre à celui-ci, par sa façon de danser et par ses attitudes cadencées, qu'il venait proposer la paix et présenta le calumet ou étendard à son ennemi. Ensuite, ils dansèrent ensemble la danse de la paix. La seconde danse, appelée de la guerre, exprime une assemblée de sauvages où l'on prend le parti de faire la guerre à tel ou tel peuple et où on fait voir de toutes les horreurs. Ceux qui sont de ce sentiment opinent en venant se mêler à la danse. Dans le troisième, le guerrier va d'abord à la découverte de l'ennemi, armé d'un arc et d'un carquois garni de flèches, pendant que l'autre, assis par terre, bat du tambour ou espèce de timbale pas plus gros que la forme d'un chapeau. Cette danse des sauvages va très rapidement devenir un véritable tube et d'autres compositeurs que Rameau vont s'emparer de cette mélodie entêtante pour en faire des variations, comme par exemple le violoniste virtuose Guignon, qui a donc écrit « Les sauvages et variations » pour deux violons. Thank you.
Avec ce grand succès que sont Les Sauvages, Rameau va assez vite avoir l'envie de l'orchestrer pour l'intégrer dans un opéra qui s'appellera Les Indes Galantes, qui va être évidemment un immense succès. Et d'ailleurs, il va, avant d'avoir composé la pièce évidemment, écrire à Antoine Houdard de la Motte pour lui faire part justement de cette motivation et de sa satisfaction d'avoir trouvé ce caractère assez novateur dans cette danse. Il ne tient qu'à vous de venir entendre comment j'ai caractérisé le chant et la danse de ces sauvages qui parurent sur le théâtre italien il y a un an ou deux ans. Vous verrez pour lors que je ne suis pas novice dans l'art et qu'il ne paraît surtout pas que je fasse grande dépense de ma science dans mes productions, où je tente de cacher l'art par l'art même. Lorsque Rameau assiste à la représentation de cette danse, il est marqué par le rythme du tambour, ce rythme entêtant, primitif, qui va véritablement être le cœur battant de cette pièce. Et ce qui est extraordinaire dans cette pièce, c'est qu'il arrive, à partir de ce rythme, à créer vraiment une mélodie remplie de fioritures et de ciselures à la française. Dans la version pour orchestre, ce sont les percussions qui jouent ce rythme. Alors, je n'ai pas de percussions, mais je peux le jouer sur le violoncelle. Et vous pouvez également le jouer chez vous et vous laisser entraîner par ce rythme fondamental. Nous sommes maintenant ravis d'accueillir Virginie Thomas, soprano, qui va chanter le rôle de Zima avec nous dans cette version de l'opéra Les Indes Galantes. Donc c'est la danse du grand Calumet de la Paix exécutée par les sauvages. Sous-titrage Société Radio-Canada.
C'est la fin de cette masterclass. À très vite.